Salut à tous. Alors, je vous avais laissé sur le quoi, le rien dans la ville. Donc là, un truc impératif à faire. Ça allait dans l'auberge, parce que si on reparle pas au docteur Mooney, en fait, on peut pas continuer le scénario. Parce qu'il faut aller chercher le truc de nuit, je vous rappelle, et la nuit ne tombera pas si on lui parle pas avant. Donc là, on est au jour 2. Hein. Ah, vous doutez peut-être de ce qui va se passer. Hein. Comment il panique. Voilà, purification. Non, c'est quand même beaucoup plus beau le jeu comme ça éclairé qu'avant que quand c'était pollué. Hein. Ils l'ont bien fait, moi je trouve ça. C'est plus agréable de jouer comme ça en fait. Voilà. Donc une fois ceci fait, faut passer par la forêt. Bon, je vais acheter un peu d'équipement pour Sock. Là, franchement, il y a tous les persos ont un nom facile à retenir. J'avais plus de 2 syllabes. Alors voilà. Ah oui, je garde son bâton à Silent. Voilà. Non. En fait, tu peux pas, ce n'est pas demain. Bon. Tant pis. Après, ça, c'est bon. Bon, ça, on s'en fout. Ouais, c'est un petit conseil de début de jeu, ça. Ah, c'est beaucoup plus beau comme ça, ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai... Ouais. Faut aller traverser la forêt. Qui est beaucoup plus belle, maintenant. Bon, ça va être un jeu d'enfant, hein. Il y a certains trucs des fois. Voilà. Les espèces de fleurs. Ouais. Alors pourquoi je gardais le bâton de son? C'est parce que c'est d'attribut haut. Donc ouais, ça je crois qu'on peut le passer, ouais, voilà. Sans combattre. Donc autant le faire. Hein.
Celle-là, on est obligé par contre. Il y a ça qui vient de faire des dégâts de taré. Voilà, un jour très vite passé, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, il n'y avait pas ça avant. Avant, il y avait pas les espèces de nénuphars avec de l'eau, donc on pouvait pas passer. Maintenant, on peut. Donc là, c'est un des trésors. On va récupérer un des trois trésors avec le Saint Graal. Enfin, un trésor, c'est. Enfin, vous avez compris. Un des trois trésors qui contiennent les monstres, là, ou je sais pas quoi. Enfin, dont on nous a parlé, Sauron. Ça se c'est pas dans le Seigneur des Anneaux, ça. Si, ouais. Ah, ils ont mis Zora, Sauron. Je sais pas si on fait exprès. On joue le temps tout droit. Hein. Un des trois réceptacles. Pyjama là. De toute façon, on a trop un pyjama sans truc. Alors. Voilà, maintenant qu'on l'a récupéré, on n'a plus qu'à partir d'ici. Je vais pas dans les autres salles, hein. Il y a sûrement que de la merde. De toute façon, c'est le début du jeu donc. Et là, vous vous rappelez, c'est les deux voleurs qui avaient volé le Saint Graal. Donc lui il s'appelle Dune, faut se rappeler de lui. Hein. Vous verrez pourquoi. Espèce de timbre. Le con. On voit la connerie de Silent. Hein. Putain. Ça qu'on aurait dû les étriper dans une cinématique hyper gore là, ça aurait été énorme. Bon, bon voilà, pour rien à faire ici, on se casse. Je vais quand même aller voir. Non, y'a rien. Bon. Là ils ont déjà deux objets sur trois et voilà. Dune et Kid. Voilà. Sort d'ici. Hein. On est obligé de repasser par la forêt après. Thank you.
Donc excusez-moi si vous avez entendu du bruit, c'est encore mon père qui me parle pendant que j'enregistre. On comprendra jamais. Faut lui pardonner. C'est pas sa génération. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire en ville en fait. Donc là ouais, vous voyez ça qu'il est beaucoup plus puissant. Avant il faisait un petit peu plus de dégâts que les autres, maintenant c'est un véritable bourrin, il... Oula. Qui fait deux fois les dégâts des autres quoi. Je crois qu'il a une arme d'attribut foudre en fait. Voilà. Là, il fait pareil par exemple. Faut pas chercher à comprendre. De toute façon après vous doutez bien qu'il y aura toutes les armes de bourrin pour lui. Ça me saoule ça. Voilà. Donc là, comment j'avais fait déjà? Voilà. Donc là, ouais, on retourne à la ville. Vous avez vu, le jour précédent, il est passé bien vite. Hein. Et là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Un gamin avec deux trucs bizarres. Ouais, je sais pas si j'ai déjà vu ça, c'est n'importe quoi. Deux poupées qui enlèvent un gamin. Et la secte, on en a déjà vu sur le scénario de Sion. Oups. Mais ça, c'est un truc qui est tombé dans mon bureau. Alors. Donc là, je crois qu'il faut reparler au docteur. Hein. C'est quoi le jeu, putain? N'importe quoi. Je préfère pas le savoir. N'importe quoi. Une de phale, voilà. Et là, on doit prendre le bateau. Donc on est au jour 3. Et si vous vous rappelez bien, Exxon, qu'est-ce qu'il fallait faire au jour 3? Il fallait prendre le bateau. Donc vous avez compris. Alors là, vous remarquez. Ah non, c'est pas Exxon en fait. Pourtant, je me rappelle qu'il y avait il y avait Tur. Non, c'est pas ça. Voilà, vous remarquez qu'il y a Risa et machin. Comment il s'appelle? Le rebelle, là. Donc oui, elle recherche toujours sa mère. Château Crinou, vous vous rappelez où c'est? C'est là où il y a Sion.
Voilà, là déjà on croise Orisa. Alors, faut prendre le bateau maintenant. C'est pas celui-là. Allez, là sont empoisonnés là aussi. Voilà, embarqué. Voilà, encore un jour passé. Vous voyez, on passe 2 jours en une seule vidéo là. Et on se retrouve en prose. Donc là, le jeu va enfin pouvoir vraiment commencer puisque on a passé la purification pour tous les scénarios. Donc voilà. Et là, faut chercher quelqu'un qui a une barque. Et là, on voit le groupe Passion. La scène qui les interpelle. Donc postez-moi un message si vous trouvez que je vais trop vite pour passer les dialogues. Oula, c'est ce lag là. Ça te fait un putain de lag. D'accord, j'ai un putain de message là qui vient de s'afficher. Vous devez en voir un morceau. C'est un truc à déconner. Voilà, donc là je vais couper la vidéo là, sinon ça sera trop long. Donc dès que j'arrive aux ruines, j'arrête. Voilà. Donc prochaine vidéo, enfin non peut-être pas, je vais peut-être changer le scénario. Moi je vais prendre le scénario de Risa après. Donc prochaine vidéo sera le scénario de Risa. Allez salut.